Salut les amis, c'est White et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo Fortnite Battle Royale, puisque effectivement le mode Blitz est sorti. J'espère que ça va vous faire plaisir que je vous fasse une petite vidéo dessus, parce qu'il y a le mode Blitz solo et le mode Blitz section. Donc, qu'est-ce que ce mode Blitz? C'est un mode de jeu dans lequel tout va plus vite, les zones se rapprochent plus vite, les ressources pop plus nombreuses, les loots descendent plus vite. Je viens de taper mon nez contre le micro, je me suis effrayé tout seul. C'est pas grave, ça peut arriver, tac, ça sera campé au montage, vous verrez rien du tout. Aujourd'hui, regardez-moi, petit mode Blitz, tac. Voilà, en section comblée, non, parce que... Ah, ici, on aime bien le challenge, quoi, ça risque d'être difficile, mais bon, ma foi, vous aimez quand je me fais soulever en vidéo, non? C'est pas ce que vous voulez à chaque fois? Ouais, pourquoi tu mets jamais des vidéos où tu te fais soulever? Là, t'en auras une. À moins que je fasse le top 1. Et là, mon pote, tu vas bégayer dans tous les sens. Hein? Alright, ladies and gentlemen, comme vous pouvez voir, la zone est déjà vachement proche du centre de la carte. Donc elle est tout de suite prête à se rétracter en fait. Et moi, ce que je vais faire là, c'est que je vais sauter à Tilted Towers. Pourquoi? Parce que c'est quasiment en milieu de zone déjà. Donc effectivement, la fight sera largement plus intense que d'habitude à Tilted Towers. Surtout que c'est de la section et que je suis solo. Donc vraiment, je pense que... Ou alors je suis très con, ou alors j'ai une paire de couilles énormes. Et vous le savez très bien maintenant, les deux possibilités sont tout à fait envisageables. Bon, on va quand même partir sur la base d'un gros con, hein. Et je saute la Tilted Tower en pleine section. Donc comment ça pourrait effectivement se passer? Je ne sais pas. Faites vos pronostics maintenant. Qui va se faire enculer en premier? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est eux? Est-ce que c'est... Je sais pas. Est-ce qu'il y a un trampoline là? Voilà. Il y a un trampoline. Je vais prendre tout le loot de la maison et puis je vais me barrer. Voilà. Super, j'ai des munitions. Nickel. Et il y a du monde en bas. Ça, c'est pas cool. J'ai un lance-roquette. Bon, bah. Écoute, on va essayer de faire du dégât à l'osro. Hein. Je sais pas comment ça peut rendre. Il me faudrait effectivement une autre arme. Super, des bandages. À part le lance-roquette, comment je peux faire? Hop. On va faire ça. Nickel. Bon. Un petit truc, c'est pas grand-chose. On a une MP5. On va commencer avec ça. Voilà. Ok. Nickel. Est-ce qu'il y a des explosifs? Impeccable. Et maintenant, on va essayer de se rapprocher de ceux qui sont en train de s'enculer là. Donc, désolé, je vais tirer au lance-roquette, ça risque de faire du bruit. Allez, ça part. Ok, bon, ça me permettra de faire mes courses. Ok, du coup, j'ai des bandages. Du coup, il y a quoi par là? Je pense qu'il y a du monde là-haut. On va monter. On va essayer de faire attention quand même, parce que, à mon avis, ils sont juste là-dedans. Ça s'encule sec. AKO. Allez, c'est parti, ça cogne. Ça part, ça c'est KO. Et eux, ils sont morts là-dedans, donc je sais pas si je les ai eus ou si quelqu'un d'autre les a eus. Allez, deux morts. On va ramasser tout ça. Nickel. Surtout que j'ai toujours du monde qui est KO là-bas, apparemment derrière. Allez, on va virer ça. Et je sais pas où il est l'autre là qui est KO. Faut que je le récupère lui. Ah, ça me paraît compliqué. Surtout que j'ai plus de shield. À KO. Alors. Nickel. On va essayer de monter sur le toit pour récupérer tous les autres. Ça va pas être possible. Donc je vais sortir par là et je vais monter sur tout le tour. Allez, ça part. Et lui, là-bas. Un KO. Et le deuxième. Sachant qu'il peut pas descendre du toit. Donc là, j'ai toutes les munitions à récupérer, c'est good. Allez! Ouh. Ça commence fort. Ça, c'est du bon Tilted Tower comme on l'aime, ça. Nickel. Alors, est-ce qu'il y a des choses intéressantes là pour moi quelque part?
Ouais, il y a du violet, cool. Par contre, j'ai toujours pas tout ce qui est tout ce qui est shield et tout. Il me faudrait du shield parce que sinon, comment dire, ça peut me coûter effectivement cher de rester là trop longtemps. Il me faut du shield. Il me faut du shield. Personne n'a de shield ici. Not good. Not good. Oh, là, il y a son loot. Peut-être du shield, peut-être quelque chose. Déjà, il y a un feu de camp, ça pourrait éventuellement être intéressant. J'ai 800 de bois aussi, c'est pas mal. Good. Nickel. Je peux récupérer tout ça là. Par contre, ouais, il y a rien quoi. Je vais garder le revolver et on va regarder au niveau de la zone. Il y a du loot qui est tombé là ou ça. Je pourrais peut-être le récupérer s'il est là-bas. Allez, on y va. Ah ouais, mais il est loin. Oh là là. Regardez-moi ça, il est juste... Oh, il est là-bas au fond. Jamais de la vie, j'arriverai à le récupérer, ce truc. Oh. Oh. Oh, la chance. Ça, il me le faut. Ça passe. Nique sa mère, je vais le récupérer. Là, j'ai vraiment pas le choix. Je m'en bats les steaks. Allez, gros. Allez, ça passe. Ça, il faut que je le récupère. Oh. Grosse popo. Oh. Je vais utiliser la grosse pote. Je m'en bats les steaks, comme la courte paille. Easy money. Et j'ai 4 tremplins. Et j'ai du coup presque 999 de toutes les ressources. Et j'ai 26 munitions de lance-roquettes. Wow. Je crois que je suis observé là-bas en fait. Je vais essayer d'aller les soulever. Je crois qu'il m'a pas vu. Allez, on y va. Ça part. Eux, ils sont en train de s'enculer là-bas. On va aller les rejoindre. J'espère que je mourrai pas. Bien. Ça, ça part. Ça, ça part. Ça, ça part. Allez. Ça peut le faire, 12 kills. Il toi. J'ai tout un flanc à découvert mais je m'en bats les couilles. Ça peut le faire gros. Let's go. Alors, où sont-ils? Ils sont pas fait attention à moi. Ils sont pas. Je suis dans. Ça veut dire que je suis dans leur dos. Personne m'a vu. Ils sont tellement concentrés sur les autres là-bas qu'ils m'ont pas vu. Nickel. Une trousse de soins. Et du coup, juste ici. Allez, ça part.
On retourne en zone. Wouh! God damn! Venez me chercher, bande d'enfoirés! Très très compliqué là pour le coup. Hein. Oh, on s'en sort terriblement bien en solo squad. Et je trouve que ça va, franchement, on joue bien. Je te jure, si on joue bien. Là, on se déplace délicatement, on regarde un peu autour de soi. Attends, on va se préparer les enculés. Oh, j'ai secoué toute la squad. J'ai secoué toute la squad ici. Je suis tout seul contre tout le monde. Là, il m'en reste 5 en vie. 6. Je sais pas trop comment je vais faire. Je préfère la jouer doucement. Je préfère jouer mon approche délicatement. Surtout que j'ai qu'un seul trampoline encore. Et toute la fight est là-bas. It's gonna be a tough game. Personne m'a vu. Personne m'a vu, mon frère. Je vais essayer d'aller le rusher là. Restons discrets, les potes. Restons discrets. J'ai fait le top 1, j'ai fait le top 1, 20 kills en blitz, en solo squad. Top 1. C'est moi qui l'ai fait, mon pote. Full fight, qu'est-ce qu'il y a? Dites-moi que ce top 1 n'était pas bon. Y'a quoi? Solo squad. I did it, boys. Ça y est, c'est fait. La vidéo de la journée, elle est calée. Bam, seul en squad, top 1 blitz. Je vous invite à liker cette petite vidéo, les potes, à la partager, surtout à vous abonner sur cette chaîne YouTube si vous kiffez les gros gameplay ballsy comme ça. Je sais pas si vous avez vu, mais je pense que j'ai pris beaucoup de niveaux sur Fortnite et ça me fait plaisir. L'objectif pour moi, c'est de devenir l'une de vos références sur Fortnite, comme je le suis devenu sur R6, sans prétention évidemment, je sais très bien que je suis pas le meilleur du monde, mais je m'entraîne toujours dans l'objectif de le devenir, même si toucher à tous les jeux et être over the top sur tous les jeux, ce n'est pas possible, mais j'aimerais vous proposer des gameplays décents sur tous les jeux, et je pense qu'aujourd'hui, je peux le dire, c'est tout à fait possible sur Fortnite. Maintenant, j'ai réussi à atteindre un niveau que peut éventuellement me rendre fier. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Encore une fois, je vous invite à lâcher un petit like, à vous abonner à cette chaîne YouTube, et surtout à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce gameplay. Je vous fais des gros bisous, je vous le dis, bye bye tout le monde, salut, ciao, peace.